je veux dire, le tourisme de mémoire, il est essentiel, tu l'as dit, par rapport au mémorial, demain, la citadelle, enfin, voilà, on va continuer. Et c'est quand même aussi important de faire perdurer la mémoire, et c'est important, la culture. Oui. La culture, on en a besoin de culture. Quand on voit des fois la société comme elle part un peu en vrille, excusez-moi le propos, on a vraiment beaucoup plus besoin de culture. On a un atout, nous, quand même, sur le territoire, c'est la MJC. La MJC de Belleville, oui, c'est quand même un atout énorme pour le territoire. Et puis, nous, au Pays de Verdun, avec donc un vice-président Anthony Grigio, donc on est en train on lance un contrat territorial, j'ai noté, parce qu'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle sur tout le Nord-Mosellan. Le but du jeu, c'est d'aller amener la culture dans les territoires ruraux. Au-delà de ce que tu as dit, Jean-Marie, ce que font les gens. Mais il est important. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un problème, quand on parlait, un problème de mobilité chez les jeunes, c'est-à-dire chez certains jeunes, c'est aussi une mobilité culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème que de... C'est qu'il y a des jeunes, effectivement, ils sont dans leur environnement, peut-être dans le nord plus dans le nord du département, et ils ont du mal à bouger, ils ont du mal... Donc c'est important d'amener la culture. On est en train d'ailleurs de faire une résidence d'artiste en ce moment à Montmédy. Donc tout ça aussi, c'est évoqué avec le département, avec le Pays de Verdun. Donc, je veux dire, il est hyper important d'amener la culture dans le plus petit des villages pour toucher un maximum de monde. Et on peut ajouter dans la culture, on n'en parlera pas vu l'horaire, mais il faut ajouter aussi le sport, qui est essentiel dans l'équilibre des gens, pour la santé, le sport, pour le bien-être, pour les valeurs qu'il transmet, pour la forme physique. Voilà.